Eh bien, salut à tous les amis, c'est PaulPro36 pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui n'est pas connu de ma chaîne. C'est SimCity 5, un jeu que je me suis procuré. Et donc, voilà, je pense qu'on va peut-être faire une petite aventure dessus, un petit let's play, je pense. On va voir, je vais voir si ça vous plaît. Et voilà, c'est les vacances, on va jouer à SimCity. Au passage, je vous souhaite de très bonnes vacances à vous. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'explique un peu. SimCity, c'est un jeu où il faut construire sa ville. Donc par exemple, moi pour la construire, j'ai pas. Je vais d'abord. J'essaie de faire des villes assez optimisées. Même si je débute SimCity, je connais pas énormément. Je connais pas vraiment toutes les bases, mais toutes les astuces. Donc tout d'abord, là j'ai fait une petite route. Donc là je suis relié à l'autoroute, hein, ma ville est reliée à l'autoroute. Donc il faut d'abord de l'électricité. Que je vais faire une route, vu que c'est une station électrique, c'est pas forcément beau. Je vais la mettre. On va la mettre en bord de map. On va la mettre là. Ouais, non, on va la mettre là. Comme ça, la route pour repartir là-bas. Voilà, donc là, pour moi, il n'y a personne. Elle tourne pas vu que personne travaille. Fermé pour processus d'embauche. Faut aussi de l'eau dans une ville. Donc là, y a un peu d'eau. Là, je peux pas la mettre vu qu'il n'y a pas de route, mais je la mets là. Voilà, donc maintenant, on va placer des habitations. Donc, on fait terrain. Je vais mettre des habitations là. Là. De l'autre côté aussi. Voilà. Après, je vais faire une route. Attends, si je calcule bien mon coût, ça devrait être à peu près ça. Voilà. Donc là, si je me mets à peu près là, donc vous voyez, là il y a des gens par exemple qui viennent aménager. Donc là je vais accélérer le temps. Voilà, je suis en vitesse guépard, donc vous voyez, il y a des gens qui s'aménagent, ça va aller vite. Donc là je vais continuer mon petit système de route. Là en face, je peux pas tout de suite place un hôtel de ville parce qu'il faut que d'abord les habitants arrivent et fassent travailler un peu la station. Donc c'est bon, ils ont réussi à la faire travailler. Une pétition pour l'hôtel de ville, donc ça je vais leur faire un hôtel de ville, mais je peux pas vraiment le centrer. Bref, on va le mettre là. Donc là ils sont tous contents, c'est bien, c'est la fête. Maintenant ici je vais mettre, ok, ça tu vas pas m'énerver, des commerces. Donc là je laisse de la place, comme ça pourra se développer. Ouais, c'est pas grave, je vais en mettre là aussi. Donc là les maisons je vais les faire partir de là. Hop, et là je vais remettre des commerces. Ouais, donc là je peux rien mettre. Je vais mettre des maisons. Excusez-moi. Je vais mettre des maisons. Voilà, donc là c'est pas mal. Je vais mettre des parcs. Parce que les parcs, ça divertit les gens, ils sont plus contents. Je vais le mettre. Je vais enlever des commerces là et je vais le mettre là. Voilà, comme ça, vous voyez, les gens sont contents. Donc là, qu'est-ce qu'on va me demander? Mais, ah, donc ils veulent du travail. Donc on va créer nos industries. Et les industries, je vous explique, en fait, ça crée de la pollution, tout ça. Et donc moi, je les mets loin de la ville. Et j'ai fait une position assez stratégique. Donc là, on va partir. Non, je vais pas partir de là. J'ai des malias ici. J'en ai démoli une de trop, c'est pas grave. Hop.
Voilà, ça va être mieux comme ça. Et pourquoi j'ai fait ça par là? Et bien tout simplement, vous allez le voir. Parce que vous voyez, ça marque vent. Donc la pollution ira par là-bas et pas vers la ville. Pas par là. Donc c'est tout simplement pour ça que j'ai fait ça. Donc là, je crée des industries. Là, ici. Bah, voilà, je vais peut-être en remettre de l'autre côté, ça serait inutile d'en mettre là aussi. Si, vu que la limite de la ville est que là-bas. Et là aussi, on va penser aux déchets. Donc, pour le vent, on va le mettre là aussi. Ça, c'est une station de traitement des eaux. Donc là, vous voyez, ceux-là, ils sont pas là. Ils sont un peu pas contents. Mais c'est pas grave, là, ça redescend un peu. C'est pas très grave, ça. Au moins, ils ont une station. Vous voyez, là, par exemple, il y a 129 par heure. J'augmente les impôts un peu. Ça, c'est fait. Donc là, il y a des industries qui se développent, c'est cool. Je remets un peu, parce que ça, les industries, c'est bon. Ah bah mince, je suis bête, je les avais déjà développés. Donc là, comme ça, ceux-là pourront se développer vers là, et ceux-là aussi. Ça va être bien. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, une station pour les ordures, mais ça, j'ai pas cet argent. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Donc là, oula, c'est... Non, je vais pas mettre ça. Pas trop dépenser. Voilà. Je remets des habitations ici. Hop, donc voilà, je peux pas en mettre là. J'ai non, celle-là je vais l'enlever. Comme celle-là, je pourrais mettre tout ce qui est plus important. J'ai rajouté quelques commerces là. Voilà, c'est bien là comme ça. Je suis bête, là je vais juste prendre un petit truc pour éviter de détruire des maisons après. Voilà, je l'ai mal mis. Je l'ai mal mis. Voilà. Voilà. Donc l'astuce, faut faire shift et ça met les routes droites. Je viens de m'en rappeler, donc là. D'accord. Lui, soit il sait pas parler, mais. Ok, les gens. D'accord. Alors là. Pour une fois, nos impôts sont bien utilisés. Voilà. Donc j'ai fait payer un peu plus cher. J'ai fait payer les impôts à 10%. Mais au moins je gagne beaucoup d'argent comme ça. Ah, et je suis blessé. Bah, j'ai pas encore de centre hospitalier, mais j'en mettrai un. Un SAMU. Hop, 20 000. Je vais mettre là. Je peux pas le rapprocher trop de l'hôtel de ville. Donc là, en attendant. Après, ce que je ferais, je mettrais des ambulances et une salle, mais ça coûte un peu cher pour le moment. Et vu qu'en plus, j'ai pas énormément d'argent, j'attends que la ville se développe un peu. Mais les gens peuvent quand même aller à l'hôpital, il me semble. Donc lui, qu'est-ce qu'il a? Donc vous voyez que là, quand ça sera ici, et bah, ils amélioreront leur maison. J'économise pour m'acheter une grande maison. Vous voyez, plus ça monte. Grande maison, et après ils font des glands, bah pas des glands, ils font des gros immeubles. Ça ressemble à des bides, des champignons, ça pousse comme des champignons. Voilà, qu'est-ce que t'as, toi? Nous voudrions pouvoir écouler la marchandise contre. Il manque de main-d'œuvre, donc c'est que la ville va se développer. Hein, elle va se développer, attendez un peu. Voilà,
Voilà, donc là j'ai mon industrie, j'ai des commerces, donc les... j'ai un parc. Tout le monde est content. Ce que je vais faire pour qu'ils soient un peu plus heureux, je vais... dedans. Ouais, maintenant je vais... Voilà. Et là... Vu que je compte pas vraiment aménager trop derrière. Voilà, comme ça tout le monde est content. Voilà. Les gens sont contents. Et comme ça, ils développeront leur maison un peu plus vite. Donc, par contre, leur maison, c'est des cabanes américaines, des mobilhomes, moi, ça me fait penser à ça. Donc voilà, tout le monde est content. C'est bon, là, c'est bon. Qu'est-ce que t'as, toi? Comment ça, tu voudrais écouler ta marchandise? Bah, il y a l'accès à l'autoroute, mon pote. Hein. Peut-être ce que je vais faire, ça va me coûter un peu d'argent. Et peut-être que ça les rendra moins mécontents. Je vais mettre. Voilà, comme ça ils pourront rejoindre l'autoroute assez facilement. Je vais mettre quelque chose. Vous voyez là les bouchons que ça faisait. Comme ça va pouvoir permettre d'évacuer s'ils veulent, s'ils sont vraiment trop. Vous voyez ça. Comment ça bouchonne vraiment par là. Je sais plus comment on fait pour améliorer les routes. Non. Par exemple, si on veut mettre ça. Non, je sais pas. Si vous savez, bah, vous me le direz dans les commentaires. Là, je vais éviter de remettre trop de choses près des industries parce que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Mince. Voilà, donc là, en fait, les gens sont heureux. Ouais, là, c'est un peu plus bordel. Croissance possible, non, pour l'instant, c'est pas ce que je cherche. Voilà. Vous voyez les industries, ça pollue. Donc en fait là où faut pas vraiment mettre. Là c'est la limite où faut pas que je mette de résident, vous voyez. Là je vais en mettre jusqu'à. Ok, je peux rajouter 3-4 autres. Vous voyez, c'est des choses comme ça qu'il faut penser si vous voulez pas. Là. Bon, j'ai sacrifié quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Donc là, normalement, si je j'arrive à retrouver où est-ce que j'avais pris ça. Voilà. Là, je vais pas mettre de gens, je vais en mettre là quand même. Hein. Ils seront pas contents et puis c'est pas grave. Moi, en tout cas, je gagnerai de l'argent. L'argent, c'est ce qu'il faut. Voilà, comme ça on augmente beaucoup de notre population. Par contre, il va falloir que je rajoute des commerces. Comment je vais faire? Je crée une nouvelle route. Pour le moment, on va l'arrêter là, mais on pourra toujours la relier plus tard. Commerce. Voilà, donc moi perso, j'aime bien. C'est pas hyper beau pour le moment, mais ça. Oh purée, ils veulent me péter les boules. Pardon, mais. Pour construire. Un quasi. Ah bah. Voilà. Par contre.
compte, il va me falloir maintenant, vu que ça, les casinos, ça va vouloir avoir. Il va y avoir des bandits. Ça, c'est quoi? Chambre. Chambre. Ça, j'ajouterai après. Donc, en fait, soit vous gagnez de l'argent, soit vous en perdez. Au moins, je me suis bien fait arnaquer. Bref. Donc, je disais, il va falloir un centre de police. Qu'est-ce que tu veux? Je suis prêt pour plus grand. Vous voyez, le terrain a une très bonne valeur. Ah oui, mais par contre, il y a le parc qui le gêne. Bah, ça, pareil. Voilà, qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ok, si je passe les 5000 habitants, ayez 5000. Bah, ce que je vais faire, je vais pas me faire chier. Je vais quand même mettre un parc, comme ça ils seront contents. Voilà. Là c'est bien. Donc là je suis à 2417, c'est pas mal. Donc tout a l'air de bien se passer pour le moment. Parce que je peux faire pour que ça fasse un peu moins con. C'est que je relis ça. Si c'est bon, c'est pas très droit. Pourquoi? Je vais mettre de l'habitation ici. Puis pour que ça puisse. Non, je vais rien mettre autour parce qu'après ça se développera pas très bien. Et puis ici. Ah, donc, vous avez vu comment mon nombre d'habitants a augmenté? Et bah tout ça, donc là je vais devoir, vu que mon argent augmente bien, j'ai dit qu'en centre de police, purée, ça coûte cher. Bon d'abord je vais augmenter mon SAMU. Ça j'ai plus assez maintenant. Il a dit quoi lui? J'ai pas. Nous adorons les nouveaux bâtiments de okay. Donc voilà, pour le moment c'est pas mal. Je vais voir mon casino ce que ça donne. Purée, pour le moment je me fais tirer de l'argent. Mais bon. Non. Oh, je retourne à ma ville. Fermé pour coupure de courant. D'accord, toi t'aurais pas assez de courant. Et bah ce que je vais faire. Je vais pas m'embourber moi-même. J'en mets une là. J'espère que c'est assez là, pour avoir la. Non. Je peux pas. Je vais pouvoir quand même. Voilà. Puis, quitte à faire ça. En plus, là, j'ai pas mal d'eau. Voilà. Là c'est bien et puis je vais remettre je vais mettre du commerce un peu. Ça c'est pas vraiment du commerce mais... Pas trop l'approcher.
faire comme ça. Et je suis bientôt à 5000 habitants. Et vu que là, ça va engager, je vais pouvoir gagner de l'argent. Ils me disent de faire rentrer des gens dans mes parcs, mais 58, 50. Bah, pourtant, mon parc il a 66 enfants. J'essaie de mettre un gros parc. Voilà. Ouais, c'est la fête. Électricité, c'est bon. Mon casino a de l'électricité. Braquage. Oh purée, je me fais ruiner. Enfin, il est où mon poste de police? Voilà. Pareil, débordement d'ordures. Ah oui, mince, j'avais oublié de placer une décharge. Faut que je la place. Non, non. Parce que, avec. Faut qu'avec le vent, ça parte. J'avais plus du tout pensé aux ordures. J'ai rajouté. Bon, eux sont pas contents, mais c'est pas grave. Là, va falloir que je leur donne des camions de. D'ordures. Je mets où ma zone? Je peux pas la mettre. Voilà. Comme ça, là je suis ok. Bon, par contre, là c'est. Je comprends pas pourquoi ils sont devenus contents d'un coup. Ah bon, faut vraiment que je mette mon poste de police. Mes ambulances, j'en ai. Ah, une caserne aussi, il va falloir que je mette. Je sais même pas combien de temps de vidéo je suis là. Je cherche la caserne, voilà. Ça coûte 20 000, donc j'attends un peu. Ayez 5000 résidents. Ah, j'y suis quasiment. J'ai pas mis des zones. Voilà, j'espère que ça fera l'affaire. Puis je vais en mettre là aussi, y a pas de raison. Voilà. Donc attends, qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Ah d'accord, bâtiment à prix feu, donc il va vraiment falloir ma caserne. Où j'ai que ça comme bâtiment en ruine. Ah non, j'en ai. Donc la criminalité nous inquiète. Dès que j'ai l'argent de mettre un commissariat et de quoi éteindre le feu, je vais le faire. Ce que je vais faire, je vais augmenter les impôts. D'accord, voilà. J'espère que ça va pas râler, mais au moins je gagne beaucoup plus par heure. Je gagne 4400. Ouais, vous voyez, c'est stable, assez stable. Ouais, je vais rester chez moi. Là, je vais pouvoir faire une route là ici, je pense, pour développer un peu. Donc, je vais mettre mon commissariat tout d'abord. Où est-ce que je pourrais le mettre? Je pense à ça. Bah, à côté du casino. Voilà. Et on va rajouter des voitures de police. Ah, j'ai passé, bien sûr. D'accord. Donc là, on va pouvoir.
Bon, j'attends 1 heure et je vais pouvoir mettre des voitures. Ah oui, je suis à la vitesse de la tortue, c'est quoi ça? Bah voilà, ça tombe pile au bon moment, ça. Il y a de la criminalité. C'est bon, j'ai 10 000, je mets des voitures de police. Donc pour le moment, je peux mettre que ça. Il va falloir que je règle aussi tout ça dans les incendies. Voilà, donc j'ai amélioré mon hôtel de ville. À quoi elle va bien m'arrêter un peu. M'énerve, lui, il va grandir. Bah, je vais mettre le parc ici. Parce que. Un centre d'exposition. Je sais pas où ça s'achète, madame. Ça, j'ai jamais essayé. Bon, je vais essayer de trouver ça. Non, toi, tu vas pas m'énerver. Ça c'est peut-être dangereux. Est-ce que je peux acheter ça? Centre d'exposition. Ok, non, quand même pas. Ah, aujourd'hui je gagne dans mon établissement, c'est bien ça. J'espère que j'ai pas trop de criminalité. Donc oui, je cherchais. Je sais même plus ce que je cherchais. Là. Ça c'est pour l'extraction, ça me tasse pas. Non. Entrepôt commercial. Non. Pas d'électronique. Non. Bah là, franchement, je ne sais pas. Centre. Non, ça m'intéresse pas pour le moment. Non. Ah, je vais retourner chez moi. Voilà. J'ai ça là. Bon. Je suis bloqué. Si vous savez, vous me dites. Mais je ne sais pas. Donc, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Ah oui, ça. Faut que j'évacue des poubelles. Je peux peut-être rajouter des. Ah non, d'abord, je vais mettre ma caserne. Je vais me mettre à côté de la gendarmerie. Comme ça, ils sont prêts à partir. Là. Ça coûte trop cher. Ça permettra d'être plus rapide. Ça sera pas ce qu'ils le veulent. Et ça, je vais attendre encore un peu. Puis quand j'en mets, il y en a. Sauf que j'ai pas mis de garage encore. Allez, encore 1 heure. C'est bon, normalement là je peux la mettre. Allez! Voilà, je peux la mettre. Est-ce qu'il y a des choses à démolir? Eh ben non. Ah! Voyez ça. Voyons, voyons. Non, je sais pas ce que je veux faire. J'ai une usine qui s'agrandit.
Et bah celle-là aussi, elle s'est agrandie, on dirait. Voyez, je vous montre. Petite industrie qui va bientôt s'agrandir. Et bah voilà, elle va s'agrandir. Je pense même qu'elle va être en cours d'agrandissement dans pas longtemps. Et bah celle-là, elle s'est agrandie. Et après, ça va faire vraiment... Voilà, donc ça a marché. Ah, j'ai gagné plein d'argent, je sais pas comment j'ai fait. Toutes ces ordures polluent. Oh, faut qu'encore j'ajoute des camions poubelles. Là, je vais mettre un incinérateur. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai rien amélioré encore. Ok, là ça marche. Toi, tu produis bien. Je vais peut-être te rajouter. Voilà. Comme ça, je peux ajouter des trucs sans avoir. Je baisse les impôts partout, je gagnerai moins, mais les gens seront plus propices au développement et quand c'est développé, après, je gagnerai plus et je pourrais remonter les impôts. Petite ruse, hein. Donc, je regarde parfois comme ça des maisons au hasard. Ça va, je vais peut-être faire une allée là. Ah, c'est bien ça, si tu te sens protégé. Donc attendez, je vais chercher le purée de centre d'exposition pourri là. Alors, c'est pas ça. Non. Éducation. Non. Catastrophe naturelle, ça je sais pas, je préfère pas savoir. Bah, falloir que je mette après un centre de recyclage. Ah oui, c'est ce qu'il faudrait que je mette, c'est un service des ministères. Je sais plus comment ça s'appelle, mais mince, mince. Voilà, c'est ça. Ah bah j'ai pas assez Team Flows. Bon bah c'est pas grave. Je vais mettre. Bon, il n'y a pas grand monde qui prend cet échangeur, mais bon, c'est pas grave. Au moins, en cas de gros embouteillage, il est là. Donc, ça a l'air de bien rouler partout. Donc, celui qui s'est agrandi, c'est lui. Voilà. Donc, les affaires ne sont pas mauvaises. Voilà. Ah, bah, ça s'agrandit partout, c'est bien. Vous avez vu, j'ai baissé. Manque de main-d'œuvre. Et ben on va te. Ah non, non, voilà, jusqu'à là. Ça, vous voyez, regardez. Très intéressant. Les maisons se développent. J'ai baissé un peu les impôts. Et bam. Et voilà. Donc ma ville se développe comme il faut. Je suis assez content. Ah, ben voilà, on a atteint 10 000 résidents. Et ils veulent que je me construise un logement. Pétition pour un logement du maire. Bon, ouais. Où est-ce que je vais me mettre? Me mettre là, comme ça je serai tranquille. Voilà, j'ai rajouté le truc des services publics. Transport, ça m'intéresse pas. Ça c'est quoi? Voilà, ça sert strictement à rien. Oh purée. Falloir que j'ajoute ça. J'ai plus d'argent. Tout le monde est content, c'est bien. Ok, processus d'embauche. Là, les gens viennent d'arriver. Ils sont peut-être en zone un peu polluée, par contre. Dumi pour partager avec. Ouais, ok, je sais pas ce que c'est. Ça doit être sur une de mes autres villes. Pom pom pom. 11 000, c'est bien. Je suis toujours en vitesse max. Je vais voir l'électricité. Que ça.
Bon, j'ai de l'électricité partout, mais là par exemple, ça peine. Ce que je vais faire, je vais mettre pareil une grosse éolienne. Ah bah quoi, je peux pas tout à l'heure, je pouvais, là je peux pas. Bref. Ah. Voilà, comme ça j'augmente ma production électrique. Nous voulons de l'électricité. Bah, normalement t'en as, mon pote, hein, c'est juste que tu sais pas. Là y a des résidents qui sont. Donc là aussi il n'y a plus d'électricité. Je pense que je vais mettre une centrale. Je vais faire une route d'abord. Et j'ai pas assez d'argent. Voilà. Pour ces... J'espère que ça répond quand même. Normalement, ça devra arriver. Hein. Elle produit celle-là. Elle a même des excédents. Je sais pas ce qui se passe. C'est peut-être un petit bug. Donc, en attendant, moi je vous dis, hein, je vais y aller. Donc, à plus. Abonne-toi. Mets un commentaire. Mets un j'aime. Partage. Ça fait super plaisir de voir des abonnés qui font des trucs cool. Donc là, je sais pas ce qui se passe. Bref. Donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao et bonnes vacances. Allez, bye bye!